Eh bien, salut à tous, c'est Derko pour une nouvelle vidéo pour notre let's play sur Prototype. Et nous attaquons ensemble notre épisode 10 déjà, et oui, ça va vite. Petit rappel scénaristique, la dernière fois nous nous sommes fait injecter, on va dire pas l'antivirus, mais l'antidote qui a été synthétisé par les militaires, ce qui a paralysé totalement tous nos pouvoirs, et nous devions retrouver un docteur, le docteur Ragland, qui travaille à la morgue de l'hôpital Saint-Paul, afin de lui parler et qu'il nous aide à retrouver Macmullen. Macmullen qui est le grand méchant, qui est responsable notamment de l'infection virale sur Manhattan. Et on espère également, au passage, que Macmullen puisse nous aider, soit à nous soigner, soit à retrouver nos pouvoirs. Personnellement, je préférerais qu'il nous aide à retrouver nos pouvoirs. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Et on lance la mission. Ouvrez le menu amélioration, échappe, acheter amélioration, onde de choc pour commencer cette mission. T'es sérieux, là? C'est quoi, ce bordel? Bon, bah, on va acheter onde de choc, hein. Qu'est-ce que je vous dise? 24 000. Ouais, c'est un pouvoir clé, soit. L'onde de choc est utile pour repousser vos ennemis, frapper vos points, ok. Il faut que je fasse clic droite et E en même temps. Body surf. Oh, je le veux! Coup de sauter, pas forcément. Point de chute. Ouais, ça là, je veux aussi. Oh, j'ai découvert plein de nouvelles attaques. Tronçonnage, c'est quoi ça? Oh. Mon dieu, j'ai plein de nouvelles attaques. J'ai de nouveaux pouvoirs, pas. Pouvoir. Pas de nouveaux pouvoirs, merde. Déplacement. Oh, vitesse de course max. Ouais, c'est bon ça. Putain, j'ai plein de nouveaux pouvoirs. Amélioration de saut max. Ah, je vais me faire plaisir, ça va être cool. Amélioration vitesse, régénération max. Oui, bien ça, délai régénération 1. Bien aussi. Oh là là. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est bien ça. Assimilation furtive, amélioration. Bien, dénonciation. Ah, c'est sympa ça. Quand les mecs ils ont un doute, il suffit de dire ouais machin, c'est pas moi, c'est lui. Et grosso modo, on peut accuser quelqu'un des soupçons qu'ils ont. Détourner un hélicoptère. Voilà, c'est ça qu'il me faut, putain. Pardon. Ah mais j'ai plein de nouveaux trucs. Bon. Commence la mission. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ok, donc le patient zéro, c'est le premier patient, qui a eu le premier l'infection en fait d'un virus ou d'une bactérie. Donc généralement, c'est lui qui détient la souche originale du. Ok, c'est ça l'onde de choc. Qui détient la souche originale en fait du virus. Là en l'occurrence du virus. La souche non mutée. Et donc en plus qui posséderait les anticorps dédiés, enfin qui seraient spécifiques à ce virus là. Résultat, ça pourrait être. Enfin, scientifiquement parlant, ça permettrait de lutter contre le virus. Et pour ceux qui aiment bien ce genre de film, il y a World War Z qui illustre très bien ce, ce truc-là. A savoir que Brad Pitt va, je crois que c'est en Corée du Nord ou un truc comme ça, pour trouver le patient zéro. Mais là, j'ai plein de trucs en fait à faire qui sont débloqués avec les nouveaux pouvoirs. Ça va être bien ça. Ok. Trouver le patient zéro, ça je sais. Détourner un véhicule blindé pour assimiler un commandant. Ouais.
Donc là, c'est une assimilation furtive qu'on va essayer de faire. J'ai dit une assimilation furtive, mais c'est pas grave. Ok. Assimilation furtive. Y'a personne qui veut me faire une assimilation furtive là? Mec. Toi là. Si, toi, voilà, nickel. Hop, assimilation furtive. Ok. Ah, mais ouais, putain, y'a ces conneries là. Y'a ces conneries de merde là. Faut que je le fasse vite. Ça va pas suffire. Et mercredi. Ok, plan B. Je veux que tu me cibles le drone. Voilà. Ah merde, c'est vrai que j'ai pas les pouvoirs. Chier. Ah mais non, sans déconner. Ok. Maintenant que ça c'est fait. Par contre, j'ai l'hélico qui est aux trousses, ça c'était pas forcément malin d'Erco. Allez. De justesse, hein. Sans déconner, j'ai fait de justesse celui-là. Bon, maintenant que le drone il est mort. Ils vont pas me poser de problème là les mecs. Sans déconner. Est-ce que je peux rentrer dans ce véhicule là? Je préfère un véhicule comme ça. Ouais, sauf qu'il me le compte pas comme, comme objectif de mission, ça. Fait chier, ça. Bon. Ça veut dire que... il faut que je monte dans ce véhicule-là, parce que ça, c'est l'objectif de mission. Voilà, donc ça, c'est la manière douce, dans le sens où... vu que je suis habillé en militaire... les gars, ils me laissent rentrer. Voilà. Captain Lim, at ease, trooper. Get on the horn and tell them we've secured the Penn Station bodies. I'm taking the heavy armor to destroy a hive. Get control points up in this area, then rendezvous with us at Gentech. Yes, sir. Ok. Trouver le patient zéro. Bon alors, vu que maintenant j'ai plus besoin de ce char là et que ça c'est un char de merde, je vais prendre le char lourd plutôt. Hop. Parce que mine de rien, un char lourd c'est mieux que les chars légers. J'ai une préférence. Voilà, j'ai 60 obus. Bon, j'ai écrasé un militaire, c'est pas grave. On y va. Désolé, désolé. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a encore quelques drones. Donc on va éviter de... ah, il y a un site juste au-dessus. Bon bah il y a un site juste au-dessus, on va le prendre. Hein, et puis voilà. Ça va être un petit peu délicat quand même, mine de rien. J'ai récupéré le site quand même. Je sais pas comment j'ai fait mais j'ai récupéré le site. C'est parti. Le patient zéro, normalement, ça va être Elizabeth Green, sauf que de mes mots, elle s'est barrée quand même. On va faire comment? Je pense pas qu'il l'ait récupéré. Donc voilà, pour ceux qui ont vu Avengers, là, on est devant Pennsylvania Station, et c'est là que se passe le combat final de Avengers, en fait. Jusque-là, il n'y a pas la tour Stark. C'est normal, en même temps, elle n'existe pas en réalité. Ok, donc... alors ça me plaît moyennement là parce qu'il y a
des zones de détection, et là, même si je suis en char, il... Voilà. Alors là, je crois qu'il faut que je dégomme des chars. Donc je dégomme les chars, ma foi. Ok, j'ai paumé mon char. Allez, go. Ok, va mourir. Allez mourir, sans déconner. Groupe d'intervention à l'approche. Je me fais éclater. Je vais pas réussir. Je suis presque mort. Vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est... On va... Ah, mais je suis... D'accord, je vois où est-ce que je suis. Allez, dis-moi que je... J'ai le groupe d'intervention aux fesses. Je peux pas faire grand-chose, là. Je me régène rapidos, quand même. Parce que là, je suis un petit peu dans la merde. J'allais dire, mais c'est pas grave, les chars, je peux très bien les attaquer. Et foutez-moi la paix! Je vais mourir! Je veux pas mourir! Je suis trop gêne! J'allais dire, les chars, je peux les dégommer avec le marteau. Mais non, le marteau, je l'ai plus! Enfin, c'est pas que je l'ai plus, simplement que là, vu que je suis avec leur putain de truc à la con là, je peux pas l'utiliser. Non, mais sans déconner! Oh, c'était chaud patate! Oh, comment c'était chaud patate! Toi là, viens là. Merde, il y a les drones qui sont qui sont toujours à mes trousses. Ok. Donc, il me faut un nouveau char. Il me faut un nouveau char. Et une fois que j'aurai ce nouveau char, je vais pouvoir finir le travail. J'ai presque failli mourir. Hop là, il me laisse rentrer parce que je suis un militaire. Et évidemment, mon char est en piteux état déjà. Nickel. Et il faut que je fasse quoi maintenant? Sans déconner. Renfort de Blackwater en approche. Génial. Génial, j'ai pas besoin de ça les mecs. Hop. Là, là, il y a un char lourd. Étant donné que il sait pas que je suis pas un militaire, je vais rentrer dedans. Et les buter. On va faire ça plus subtilement, plutôt que de rentrer en le tas. Hop, nickel ça. Et je vais faire la même pour le deuxième. Qui est là-bas? C'est parfait ça, c'est très bien. Hop, salut. Au revoir. Ok. Et ben voilà, j'ai réussi. Renfort de Blackwatch, oui, renfort de Blackwatch, on approche. Eh ben on va continuer comme ça, les mecs savent toujours pas que je suis l'ex-merceur, donc ma foi, hein, moi je veux pas dire non. Hop, toi là, viens là. Rentrez dans le véhicule. C'est pas super passionnant, je suis d'accord, mais mine de rien, c'est efficace. Tant que les drones ils me font pas chier, ça me va, moi. Hop. Ouais, mais là par contre, les drones vont me faire chier. Eh ben, c'est pas grave, on y va avec. On fait un petit peu d'action. Je vais mourir, enfin, mon char va exploser. Voilà. Mon char a explosé, c'est pas grave. On va se casser vite fait. On va essayer de se régénérer, Mais pour ça, il faut que les mecs arrêtent de me suivre. Foutez-moi la paix. J'ai les drones qui sont toujours aux fesses, bordel à cul. Eh ben c'est reparti, on va leur faire comme tout à l'heure.
À savoir. Ah mais non, y a pas besoin. Y a pas besoin là. C'est bon, je les ai le truc. Je le vois le mec bleu. Eh bah voilà, c'est lui qu'il me faut moi. Ouf, j'ai eu chaud là. Ouh, j'ai prends cher là. Bien ça. Cible de l'intrigue, c'est ça? Sir, Director McMullen surrendered the bodies to a civilian. Ragland? Yes, sir. You did the right thing, son. Your new orders are this. Recover all samples, bodies, and evidence from Dr. Ragland. Bring them to base AE-1. Ragland? If he doesn't interfere, leave him be. He's already implicated. He won't talk. And McMullen, sir? It's time for the doctor to learn who's in charge of this little excursion. Ok, mission accomplie. J'ai gagné 101 points d'évolution et beaucoup de pertes dans tout genre. À ce rythme-là, il y aura pas, il restera plus grand monde. Hein. It was perfect. They used Karen to get to me. Used the genetic material I'd collected to make a weapon to try and take me out. By the time I discovered she was working for Blackwatch, she was gone. But I had a bigger problem. A weaponized cancer was eating me from the inside out. I needed a doctor, okay? A special kind of doctor. I needed Ragland. How did it feel to be infected with something you couldn't control? Like, my own body wanted me dead. Did you ever consider how the parasite felt? An intelligent cancer ripped from its host? Yeah, I did. Once. Right before I killed it. Donc, petit résumé, s'il n'y a pas d'autres cinématiques, non. Petit résumé, à savoir, visiblement, Karen, notre ex, travaille toujours pour Gentech, et elle nous a utilisés afin de... nickel. Afin de pouvoir... récupérer les échantillons du virus et créer une arme encore plus puissante. Ah là là, je vous jure, ces femmes. Toutes des... voilà. Non mais c'est un petit peu con, mais voir comme... enfin, ça fait très cliché hein, comme, comme situation. Mais bref. Il nous reste 3 minutes de vidéo. Même pas, 2 minutes et demie, même pas. Donc ce que je propose, c'est qu'on va aller gentiment... on n'aura pas récupéré le pouvoir pendant cet épisode. Et je pense pas qu'on aura le temps de les récupérer. Par contre, vu qu'on a récupéré pas mal de points d'évolution, on va se faire un petit peu plaisir. Assimilation furtive, amélioration, non, pas forcément. Là, ce qui m'intéresserait plutôt... bon, ça, c'est vraiment juste pour le fun, le body surf. On va plutôt faire des trucs... pour la survie, genre le délai de régénération ou l'amélioration de vitesse de régénération max. Ouais. Déplacement. Il y a vitesse de course max, l'amélioration de saut max. En pouvoir, pas encore. Ouais, c'est basé sur la survie, à savoir amélioration vitesse de régénération max. Ouais. Délai de régénération 1. Et il me reste même pas 100 000. Il me reste même pas 100 000. Ce que je vais faire, c'est que je vais assimiler 2-3 mecs. Désinfectés. Désinfectés, il y en a là-bas. Je vais en assimiler 2 ou 3, histoire de gagner des points d'évolution. Et une fois que j'en aurai suffisamment, genre toi là, tac, point d'évolution. Ah, ça va être long, dis donc, là. Ça va être très très long, en fait. Ouais. Autre solution pour gagner plus des points d'évolution plus facilement, lancer des objets. Oui, mais ça, je m'en fous de ça. Transformation militaire. Récupération du char. Et on va faire un petit massacre. Très rapide. Hop. Genre, je sais pas moi.
Ouais, ça va être long, dis donc, là, comme ça. Ça va être très long. T'as pas moyen d'aller plus vite au niveau point d'évolution, mec? Je sais pas, genre... toi, là. Ouais, ça, c'est mieux, ça. Y'a pas un autre char? Il me faudra un autre char. Allez, on avance. Quoique. Et les poils, vous sûrs qu'ils sont là, c'est par terre, là, je peux pas les récupérer? Si, je peux les récupérer. Ouais, sauf que ça rapporte que dalle. Il y a un autre char juste à côté. On va aller le dégommer. Ça va nous faire les points d'évolution qui nous manquent. Et à partir de là, ce sera nickel. Oh, il m'en manque pas beaucoup, sans déconner. Je vais être à 0 points d'évolution, vous allez voir, ça va être ridicule. Ah, il manque 20 points d'évolution, sans déconner. Merde. Toi là, viens là. Il me faut encore 3 mecs à assimiler. Allez. Je suis pas en zone assez infectée là en fait. Faut que je retourne en zone vraiment infectée, zone rouge. Genre. Toi là. Toi, t'es un bon infecté bien dégueulasse. Ah, mais autrement, il y a un point. Il y a un site juste à côté. Enfin, un site. Un conseil juste à côté. Voilà. Nickel, ça. J'ai même pas regardé ce que c'était, mais c'est pas grave. Et ben voilà. Là, je peux me l'acheter. Amélioration, déplacement, vitesse de course max. Oui. Voilà, je vais courir carrément plus vite. Et malheureusement, nous allons devoir nous arrêter là, en fait, puisqu'on est déjà à 22 minutes de vidéo, enfin de jeu en tout cas. Et on va s'arrêter là, ce qui veut dire qu'on retrouvera nos pouvoirs certainement dans l'épisode suivant. Ou l'épisode encore suivant, je sais pas. Ce qui veut dire que là, ce sera soit dans l'épisode 11, soit dans l'épisode 12 que nous allons... Aïe. Toi là, arrête. Direct. Retrouver nos pouvoirs. Pour l'instant, c'est pas encore gagné. Faut que je me casse d'abord, pour que je puisse vous dire au revoir en toute sécurité. Voilà. En attendant, moi je vous dis, n'oubliez pas de laisser un petit like à la vidéo, de vous abonner à la chaîne, ça prend que quelques secondes et ça fait toujours plaisir, surtout comme ça vous aurez une réponse à savoir quand est-ce que nous allons retrouver les pouvoirs de Alex Mercer. Puisque comme ça vous serez informé des sorties vidéo sur ma chaîne. Et surtout, je vous dis, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.